One shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask. Hello, les petits amis. J'espère que vous êtes en forme en ce début de week-end. Alors, pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, et eh oui, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc, c'est voilà, l'occasion rêvée. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit duo euh, de Génération 2. Donc, à savoir Ace, Evader. Euh, comme nous l'avons connu chez nous euh, sur le packaging, mais plus connu dans le monde euh, donc sous le nom de Dreadwing et Smokescreen. Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini moi et mini mini -mi moi pardon quant à eux vous feront un petit coucou tout à l'heure. Allez à tout de suite les petits amis. Ouais bah en tout cas moi j'aimerais bien savoir pourquoi un Autobot devient d'un seul coup un Decepticon. C'est quand même bizarre non mec. Bah après tout. Un gentil peut devenir copain avec un méchant, non Hein Pas vrai, pas TF Euh, oui, sous la forme, pourquoi pas Mais dans la vraie vie, euh, c'est juste impossible. Ah oh bon Bon bah alors, euh, on attend d'en savoir un petit peu plus. Ouais, bon bah à tout à l'heure les mecs. Bonne revue en tout cas. Allez, ciao alors nous commencerons tout de suite avec la présentation de la boîte puisque oui je l'ai euh, je l'ai toujours enfin je l'ai toujours façon de parler puisque c'est un robot pour ceux qui ont suivi un petit peu mes précédents unboxing que j'ai reçu euh, tout récemment de, de la part d'un ami donc voilà un petit peu la boîte avec euh, ce logo euh, caractéristique donc aux Transformers génération 2 on y voit également donc les symboles de factions Autobot et Decepticon. Euh, donc complètement différents euh, des générations. Hein. Donc on nous indique bien qu'il s'agit d'un Decepticon Alors nous avons donc pour cette version-là euh, qui est sortie probablement chez nous en France donc sous le nom de Ace Evader. À savoir que dans le reste du monde. Euh, à la base donc il est plutôt indiqué Dreadwing et Smokescreen mais ça ne change en aucun cas le, 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 la chose puisque de toute façon donc ce sont bien les personnages en question voilà donc quelques petites informations euh, en français à l'avant on nous indique donc qu'il s'agit d'un triple Transformers voilà sur le côté sur la tranche latérale droite donc le mode tank le mode bombardier furtif et le petit Smokescreen voilà au dos de la boîte Hop là. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, donc même photo mais en plus grande que sur la tranche latérale. Nous avons quelques voilà quelques petits euh, quelques produits euh, de la gamme G2. Alors, on retrouve essentiellement hein, du, du génération 1 un petit peu amélioré euh, pour certains ou différents, notamment l'Optimus que je rêverais d'avoir dans ma collection avec cette superbe morque noire au nom Optimus voilà sur la bande latérale il y avait plein de petits trucs en plus par rapport à la première version à savoir déjà des lance-roquettes et un petit boîtier sonore donc qui permettait de transformer sa voix pour faire une voix pseudo, euh, pseudo robotique on va dire. et puis voilà il y, a, il y avait également donc, des sons et lumières d'ajouter de, de, à l'intérieur de celle-ci Et puis donc le Megatron G2 que je possède euh, et que voilà il me semble vous en avoir fait la, la revue hein, et qu'on retrouve ici donc sous une forme tank sur la tranche latérale droite, même topo sur le dessus. Même topo, avec, voilà, différentes étapes de transformation sur le dessous. Voilà ce que ça donne. On nous indique que c'est sorti en 1994. Et nous retrouvons également, donc, la petite notice d'origine. Youhou! Et voici tout de suite, donc, un petit 360 de notre euh, Dreadwing absolument formidable. Alors, certes, les couleurs G2 sont assez psychédéliques en, gé en général. Euh, pour celui-ci, je trouve qu'elles lui vont juste à merveille. Donc euh, voilà petit petit mode alternatif euh, inspiré euh, du bombardier euh, Northrop Grumman B2 Spirit. Alors bombardier façon de parler puisque celui-ci est équipé de plusieurs lance-missiles, mais c'est avant tout donc un petit avion, euh, enfin petit avion, un avion furtif. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Vraiment une superbe pièce. Euh, 99% des autocollants sont toujours présents, les finitions sont très soignées et surtout donc on passe un, lave, un level supérieur avec euh, avec celui-ci euh, qui apportait donc son lot d'innovation à savoir donc des gimmicks voilà des petits gimmicks assez sympathiques donc qui certes ne fonctionnent pas systématiquement euh, et qui parfois sont un petit peu foireux mais bon l'attention en tout cas est bonne et puis on a l'ingénierie aussi qui passe au level supérieur avec son lot de nouveautés, surtout en termes de transformation et d'articulation. Donc voilà un petit topo pour Dreadwing. Et faisons connaissance à présent donc avec son acolyte Smoke screen Alors oui, étonnamment, Smoke screen comme le disait euh, euh, Papitef juste avant pendant la présentation. Je ne comprends pas trop pourquoi Smoke screen devient un Decepticon dans la gamme Génération 2. Euh, pourquoi ne pas avoir fait comme pour le premier Enfin bref, ainsi euh, Hasbro euh, en a fait le, le choix. Alors à remarquer par contre que pour ce petit smoke screen, il me manque un petit aileron arrière. Et le second lance-missile qui vient juste ici. C'est un petit peu dommage hein, parce que ça lui donne vraiment une silhouette absolument superbe. Avec quelques, quelques petits coins, points communs avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, le, le, le Starscream de la gamme Cybertron. Où en tout cas, la transformation est quasiment identique. Concernant les détails, pas mal de choses à, à constater. Bon, on a certes des couleurs assez, euh, assez vives. Alors pour le coup, moi j'aime beaucoup les couleurs de, de, de ces derniers. Hein, on retrouve un petit peu de, de violet, de bleu, de, de, de mauve, quelques petites touches de rouge métallique juste ici. Le cockpit translucide rouge aussi qui est vraiment superbe. Avec là encore des petits stickers euh, ATB. Et nous avons le symbole des Voilà. Sur l'aileron arrière. Que dire d'autre au niveau de l'undercarriage On a quelque chose de relativement propre, bon on devine à peu près où se situent les jambes, mais voilà dans l'ensemble hein, et surtout pour un jouet de 94 c'est plutôt pas mal. Et puis nous avons donc la possibilité, ça c'est quand même assez sympathique, c'est voilà d'avoir les trains d'atterrissage rétractables, hein, de façon à le positionner proprement. Donc vraiment chouette petit père, plutôt très sympathique. Mais c'est évidemment sur le petit, ou du moins le costaud Dreadwing que, euh, voilà, je vais m'attarder un petit peu plus parce que celui-ci est vraiment absolument sensationnel. Hein, nous retrouvons donc les vitres du cockpit avant et latéral ainsi que supérieur en rouge translucide. Idem le dessous alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra mais le dessous on aperçoit un petit peu l'arrière de la tête voilà en rouge translucide de 13 jolis stickers un petit peu partout alors ceux-là sont voilà tout euh, tout chromé voilà du plus bel effet les peintures juste ici aussi sont très très jolies euh, là encore nous avons des petites euh, euh, des petites bulles en rouge translucide sur le prolongement des ailes qui lui donne vraiment euh, du cachet hein encore pas mal de petits, de petits autocollants voilà sur le dessus le côté avec le symbole des septican G2 voilà vu au niveau de l'undercarriage et hop les missiles se font la malle mais c'est normal voilà au niveau de l'undercarriage là encore on a quelque chose de très très propre alors certes là encore on devine où se trouvent les jambes mais sinon on a quelque chose de voilà quelque chose de vraiment bien fignolé euh, vu de dessus admirer un petit peu Hein, le bestiau absolument magnifique. Voilà, que dire d'autre vraiment une pièce euh, une superbe pièce. Alors nous avons également des trains d'atterrissage donc rétractables à l'arrière de façon à pouvoir le stabiliser parce que vu le gros euh, le gros qu'il a en dessous euh, c'est voilà, c'est euh, le, le minimum conventionnel pour le pour pouvoir le stabiliser proprement. Et puis vous remarquez juste ici donc on a une ouverture, ouverture tout simplement qui permet de faire fusionner les deux comparses entre eux afin de former une unité volante, voilà, principale, comme ceci. Et là, c'est vraiment terrible. Là, je trouve que le, 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 le concept est vraiment très, très soigné, d'autant plus que, voilà, les proportions, les alignements sont, sont quand même bien fichus, hein, ça correspond parfaitement. Euh, ça donne là encore un petit peu de cachet, et puis on a donc ce fameux double cockpit à l'avant et juste ici au centre. Donc vraiment euh, vraiment très très impressionnant. Donc une pièce que que, que j'apprécie énormément. Alors au niveau du gimmick nous avons quelque chose là encore d'assez bien pensé, euh, même si euh, ce n'est pas efficient. Alors ce n'est pas que sur ma version. J'ai eu l'occasion euh, il y a pas mal de temps de, de voir d'autres vues. Euh, à son sujet et voilà le problème est le même sur la plupart des, de, 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 de ceux qui possèdent donc ce petit g2 c'est que normalement donc pour éjecter les missiles alors vous voyez hein, le, le missile ne se rentre pas plus que ça il n'y a pas de ressort pour le loquer donc on les met simplement comme ça ce qui fait que sur on le retourne les missiles ont tendance à tomber de même donc on a juste ici une petite euh, voilà la partie arrière qui est rotative et qui permet à la base euh, bah, de, de simuler l'éjection des missiles, mais voilà, c'est aléatoire, ça fonctionne pas à tous les coups, euh, et c'est surtout pas probant. Donc l'idée est bonne, l'intention est bonne, mais mais voilà, alors est-ce que c'est dû à l'âge, que, que voilà, qui fait que les choses ne fonctionnent pas, voilà à tous les coups, voilà le maximum que ça peut faire pour le mien. Euh, bon, c'est bien pensé, c mais, mais voilà, ça fonctionne pas du tonnerre. <laughs> Autre petit gimmick qui cette fois-ci fonctionne un petit peu mieux que le précédent, c'est que vous avez donc ces petites bulles en rouge translucide qui permettent, lorsque vous appuyez dessus, hop là, voilà, d'éjecter les bombes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de sympathique. Il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. C'est le, le, le système est vraiment bien pensé, bien conçu. Donc voilà un petit gimmick, lui, par contre, qui fait qui fait bien son taf. Et puisqu'il s'agit donc d'un triple changer, nous allons pouvoir à présent donc passer dans sa deuxième configuration en mode tank. Alors tout d'abord, vous allez replier, voilà, les extrémités des ailes sur les principales, comme ceci. Ensuite, à l'aide de Smoke Screen, vous allez exercer une pression alors, on va voir si le gimmick, là encore, est fonctionnel, parce que c'est pas non plus probant à tous les coups. Alors, je m'accroche, parce qu'il y a un petit système à l'intérieur qui permet, voilà, de rabattre automatiquement les ailes comme ceci. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Ensuite, nous pouvons retirer Smoke Screen. Voilà. On vient rentrer les trains d'atterrissage comme ceci. On prend le canon, enfin le lance-missile. On l'oriente comme ceci. Un quart de tour. On le rabat vers le dessus comme cela. Et nous allons passer à cette partie-là, qui là encore donc, est pourvue d'un gimmick très très fun. Donc vous avez, voilà, une petite gâchette ici et ici. Vous pressez tout simplement dessus, voilà, et vous activez, donc, la position des chenilles. Vous rabattez ensuite les pieds ainsi, de façon à pouvoir caler le tout. Et voilà donc notre Dreadwing dans son mode secondaire, un mode de tank de la muerte. Et petit 360 degrés à nouveau, donc, de ce mode tank euh, assez futuriste. Très très bien pensé. Voilà, je trouve que voilà, l'idée est vraiment est vraiment bien bien imaginée. Le concept est vraiment sympa. Il n'est pas sans me rappeler euh, un petit peu le le, le genre de tank euh, des GI Joe Cobra, à savoir donc les les tanks IS hein, qui sont généralement donc un petit peu plus hauts. Mais voilà, on a quelque chose qui, qui qui me fait penser un petit peu à à ce à ce à ce véhicule de Cobra. Donc vraiment, moi j'adore, je suis absolument fan. Alors juste par curiosité, je refais un petit test des lance-missiles à savoir si en mode tank ceci s'éjecterait un peu mieux. Euh oui. Et <laughs> eh bah ben non, ça change rien. C'est pas vraiment top hein. ouais non c'est voilà. bon bah c'est tout c'est dommage hein, c'était bien pensé mais finalement bon vieux système de ressort avec une petite gâchette ça aurait été pas plus mal <laughs> par contre concernant Smoke screen voilà avec son vieux vieux son bon vieux système euh, avec ressort et poussoir là pour le coup voilà le missile s'éjecte à la perfection et petit comparatif à présent donc auprès d'autres jets euh, issus de la gamme génération 2, donc à savoir le petit Afterburner et le Terra Dive, voilà qui vous donne également une petite idée de l'échelle de cette petite troupe. Et passons à présent donc à la transformation en mode robot. Donc je vais commencer par Smoke Screen. Tout d'abord, vous allez venir déclipser. Le lance-missile latéral hein, qui vient juste se clipser là sur le côté. Ensuite, vous allez déloquer les jambes. Vous avez un petit ergot mâle et un petit ergot femelle juste ici. Vous déloquez donc les jambes. Voilà. Vous mettez ça comme ceci. Ensuite, vous venez exercer une pression sur ces deux parties-là. Voilà. Vous faites basculer le petit panneau comme ceci hop vous commencez à mettre les bras en position ainsi voilà quand c'est fait vous prenez cette partie-là à présent vous faites une rotation de l'ensemble comme ceci ensuite vous rabattez les jambes ainsi vous mettez en place cette partie-là pour avoir la tête en évidence. Et pour terminer, donc vous faites une rotation de cette partie-là. Donc vous déloquez comme ceci. Vous rabattez ainsi. Vous mettez le tout en place. Vous avez des petits ergots qui vont venir se loquer dans le dos. Comme ceci. On met les bras dans l'alignement. On rabat le petit aileron sur le côté, comme ça. Et on vient déployer le pied et le talon. Et voilà donc notre petit smoke screen transformé. Plus qu'à lui mettre son petit pampan dans la main. Et voilà un petit peu le résultat. Donc la figurine est très propre. Alors par contre, hop là, le missile vient de partir. Là, cette partie-là est quand même assez, euh, assez peu esthétique. Hein, euh, on a un petit jour ici, mais enfin bon voilà, dans l'ensemble, le travail est quand même bien propre. Euh, L'avantage, alors ce que voilà ce que j'aime vraiment avec celui-ci, c'est qu'on a quand même pas mal d'articulations. Donc nous avons le visage que l'on peut pivoter de droite à gauche, on peut lui donner la pub d'oeuvre. rotation avant et arrière de l'épaule, c'est possible. Nous avons également le coude que l'on peut plier, voilà, dans un mouvement intégral. Nous avons les cuisses qui sont sur ball joint, donc qui permet de pouvoir donner, voilà, une amplitude de mouvement des jambes plus que correcte. Le genou avec une articulation à un peu moins de 90 degrés, mais voilà, ça, ça reste quand même très très correct. Le pied et le talon que l'on peut bouger. Donc voilà, on est en 94. Alors bon, pour les, les jeunes générations d'aujourd'hui, hein, euh, c'est vrai que voilà, on se rappelle pour ceux qui ont vu des revues G1, que les géants étaient réputés pour leur rigidité. Les G2 sont quand même, bon, certains en tout cas sont quand même, voilà, bien plus articulés et pour l'époque c'était quand même quelque chose. Donc voilà qui est très appréciable. Et autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est son visage. Alors je vais essayer de faire une mise au point et un gros plan pour qu'on voit celui-ci de plus près. Voilà, donc le visage est vraiment excellent avec le mask en mauve. Et nous avons, comme tous les G2, donc un light ping absolument terrible. Voilà, juste magnifique. Donc vraiment une figurine qui, malgré sa taille, est quand même, je trouve, épatante. Et nous allons pouvoir passer à présent, donc, à la transformation de notre Dreadwing en mode bot. Donc, tout d'abord, vous allez prendre les panneaux avant des chenilles, les rabattre à nouveau et les loquer. Comme ceci. Vous avez donc des ergots juste ici, mâles et femelle, Vous déloquez. Voilà. Ces derniers. Ainsi. Comme ça, alors pour plus de praticité, je vais déclipser les missiles, sinon voilà, je vais être un petit peu embêté. Donc ensuite, vous rabattez cette partie-là vers l'arrière. Vous venez déloquer les bras hein, qui se loquent par contre à l'ancienne. Donc allez-y, Molo, hein. ces parties-là sont en plastique un peu sec, donc ça peut être un petit peu cassant euh, avec le temps, je pense. Voilà, on déloque cette partie-là on déloque cette partie là comme ceci ensuite on abaisse voilà ce qui va venir former le chest et l'abdomen on sort le cucu la tête tête vous prenez à présent cette partie là vous ouvrez ce volet là comme ceci et vous venez rabattre complètement cette pièce-là à l'intérieur. Quand c'est fait, vous faites une rotation de façon à avoir les ouvertures du lance-missile dans ce sens-là. Vous venez ensuite remonter le tout. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à rabattre le panneau. Alors pour cela, on va déjà dans un premier temps placer les jambes. Donc pour les jambes, c'est tout con. Voilà, vous les mettez dans ce sens-là. Et vous venez rabattre et loquer. Vous avez un ergot mâle ici et un ergot femelle. Voilà, vous venez loquer. C'est parti là. Voilà, ça clique bien. On sort bien et on loque également l'avant des pieds. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre donc le cockpit. Ainsi, vous mettez le bras comme ceci une rotation on rabat ainsi voilà même topo et donc cette fois ci on peut venir vraiment plaquer cette partie là derrière et rabattre le volet arrière comme ceci voilà et la transformation est quasiment terminée donc on revient à ces deux petites mâchoires en plastique sec fin donc à manipuler avec précaution. Donc vous allez exercer une pression sur ces deux parties-là et pousser. Pour les dégager des avant-bras, vous les loquez. Voilà. Et voilà donc le premier bras de transformer. Cette partie-là faisant office de bouclier. Même étape ici. On appuie. On pousse. On sort, on tire, on lock Voilà, ça commence à avoir de la gueule. Et pour finir, donc, plus qu'à lui remettre ses missiles. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réutiliser, voilà, les lance-missiles de Smokescreen. Donc, de façon à lui faire des petits pompons Et voilà, les petits amis. Notre dreadwing transformé, un petit plaisir. Et petit 360 à présent de notre dreadwing dans son mode bot. Voilà, un petit pépère, plutôt baraqué, hein, un petit côté un peu un peu bulkhead je trouve. Voilà, un gros guerrier, un gros colosse euh, qui doit bien aimer se friter et jouer des poings et des pieds. Vraiment une bonne conception là encore, le mode robot. Est vraiment très sympa. Euh, les pièces s'alignent bien, on a quelque chose d'assez propre, bon hormis le jour qu'on en aperçoit juste ici, mais voilà, ceci étendu également donc au fait du gimmick. Mais sinon, mis à part ça, donc voilà, l'ensemble est propre, soigné, les couleurs top, les autocollants qui viennent rajouter euh, du relief à l'ensemble. Vraiment une figurine super sympa. Alors petit zoom à présent donc sur le visage qui pour le coup est assez atypique. Alors moi, il me fait penser un petit peu à, à certains robots des années 70-80 et euh, notamment donc à, à certains euh, certains combattants euh, Gundam. Donc le visage est quand même pas trop mal foutu et on retrouve une fois encore voilà le light piping absolument magnifique. Ouh Vraiment de toute beauté. Et je vais faire rapidos un haut et bas voilà sur le mode bot vraiment du tout bon alors je recalibre tout ça nous allons faire à présent donc voilà une petite découverte de ces articulations parce que pour lui aussi donc elles sont quand même assez assez nombreuses euh, nous avons déjà la tête que l'on peut pivoter à 360 pas de souci nous pouvons également un par la transformation, la levée hop, comme ceci. Nous avons, voilà, là encore, la pub dove avec une amplitude extrême. Hein, vraiment, voilà, guili guili, il euh, n'y a pas de souci, ça fonctionne. Nous pouvons également donc, voilà, faire une rotation intégrale de l'épaule. De par la transformation, vous pouvez également rabattre. Voilà, ce, ce, ce petit joint euh, comme ceci, ce, cette petite articulation papillon. Vous avez également donc une articulation du coude, cette fois-ci à 90 degrés. Ça fait son job, il n'y a pas de problème. Nous avons, voilà, le grand écart JCVD, dans ce sens-là, pas de souci, il gère la pose. Dans ce sens-là, un peu moins, à cause donc de ces parties arrière du backpack. Mais voilà, hein, pour un gros pépère comme ça, euh, je trouve que l'amplitude est quand même. Et quand même, plus que correct, nous avons une articulation à moins de 90 au niveau du genou et le pied que l'on peut lever et baisser de par la transformation. Petite chose à savoir, c'est que l'essentiel du poids du mécanisme des ailes et du canon se trouvant à l'arrière, donc il peut être un peu compliqué de le stabiliser. Vous voyez, il a tendance à partir vers l'arrière, donc n'hésitez pas à le, à le rabattre un petit peu en avant comme ceci de façon à pouvoir le maintenir en place. Et pour conclure, donc petite photo de famille à nouveau, donc aux côtés euh, d'Afterburner et de Teradive dans leur mode bot. Voilà, petite photo de famille plutôt très sympatoche. Euh, que dire de plus? Vraiment, voilà, c'est du grand bonheur. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue un petit peu longue, je dois l'admettre, consacrée donc à nos deux Decepticons, génération 2, Smokescreen et Dreadwing. Euh, que dire de plus Voilà pour moi une pièce, enfin deux pièces à posséder dans sa collection. On aime ou on n'aime pas le G2. On ne peut reconnaître que pour l'époque. Hein, on se remet en 1994. Voilà, on a eu une grosse évolution technologique. Alors certes, on perdait le métal des générations 1, mais on gagnait par contre en étape de transformation en point d'articulation, l'arrivée de certains gimmicks donc qui fonctionnent bien pour certains et moins bien pour d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'était plein de bonnes idées. Euh, puis bah après tout, hein, c'est un petit peu comme toutes les gammes Transformers, il euh, y a du très bon et puis il y a aussi euh, de quoi foutre à la poubelle. Donc voilà, pour moi en tout cas, un gros coup de cœur que ces deux personnages que je, sais, que je suis vraiment heureux de posséder dans ma collection. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir un petit peu ces, ces deux figurines, pour les autres de les redécouvrir également. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos suggestions, vos avis et vos commentaires, ça fait toujours bien plaisir. Merci d'avance pour vos petits pouces bleus. Voilà, je voilà, je vais pas me répéter à chaque fois, mais bon, c'est toujours sympa de votre part, ça me fait plaisir et ça me touche beaucoup. Voilà, donc je vous souhaite de mon côté un très bon week-end, reposez-vous bien, amusez-vous bien, profitez-en bien surtout. Euh, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss bon les mecs. Un peu de courage Toi, tu prends le grand, et moi le petit Allez, on va se friter Tu parles d'encourage, toi Et c'est moi qui me tape le gros bonhomme Non mais tu te fous de moi ou quoi Eh et... Dis donc On va pas faire long feu contre eux Ouais, bah c'est pas grave, hein moi j'ai mon pompon Euh... Je te signale que lui aussi, il a son pompon, et lui là, il en a un très gros Alors, euh, moi j'ai pas envie de m'en prendre plein la tronche Non mais... Ouais, mais son lance-missile, il marche même pas. Non, mais par contre... Oups, désolé, je disais donc. Non, mais par contre... Ben, par contre quoi Avec mon poids et mon gros cul, je peux te faire bobo. Ah, ok, ah, j'ai compris. Ah, pardon. Moi, ah, 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 ah. ben, tu vois, juste avec ses fesses, il peut te mettre au tapis. Alors non, moi, je me casse. Allez, tchuss Me laisse pas Oh, moi, j'ai envie de faire un gros prout Cybertronien One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly